m'appelle Vito Scaletta. Je suis né en Sicile, en 1925. Ce gamin, c'est moi. Là, je suis avec mes parents et ma sœur Francesca, devant notre maison. J'ai peu de souvenirs du pays où je suis né. Sauf qu'on roulait pas sur l'or. Et puis un jour, mon père a décidé qu'on devait déménager. Quitter la Sicile. On a traversé l'océan pour refaire notre vie en Amérique. Urbaine ne ressemblait à rien de ce que je connaissais, c'était sublime. Alors que franchement, j'avais jamais vu un taudis plus crasseux et répugnant que notre nouvel appartement. Le rêve américain. Un cauchemar, oui. Mon père s'est mis à travailler au port pour le type qui avait arrangé notre immigration. Il bossait comme une brute. Et le peu d'argent qu'il gagnait partait le plus souvent dans l'alcool. Et puis mes parents m'ont envoyé à l'école. J'ai dû apprendre l'anglais. C'est sûr que je risquais pas de le faire dans notre quartier. C'est là que j'ai connu Joe. Tito, allez, magne-toi. Avec le temps, Joe et moi, on s'est liés d'amitié. Et comme on était pauvres et qu'il n'y avait pas beaucoup de travail... Merde ! On a monté notre petite affaire. Halt ! Police ! Stop ! Vito, par ici ! Lance-moi le sac ! Arrêtez ! Ou je tire ! Oh, merde ! Ok, salopard ! Écarte les jambes ! Merde ! Je suis désolé, Vito. Ce jour-là, ça n'a pas marché comme on voulait. C'était en 1943. L'Amérique était en guerre, et l'armée cherchait des gens qui parlaient la langue pour les aider dans l'invasion de la Sicile. J'avais 18 ans, et c'était toujours mieux que la prison. Drôle de retour au pays. Opération Husky. J'étais affecté au 504e parachutiste. Le 11 juillet, ma section devait être larguée sur la côte sud de la Sicile. Mais l'avion a été touché et on l'a dissoudé. On était loin derrière les lignes ennemies et on était plus tard. Sans la résistance locale, on n'aurait jamais pu s'en sortir. Alors quand les soldats de Mussolini sont arrivés en ville et ont rassemblé les habitants, on a décidé de renvoyer l'ascenseur. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Allez, Scaletta. Allora, traditori! Pensavate di poter giocare con noi? Di tradirci? Avete pensato male! Qu'est-ce que tu Vi fous, facciamo Scaletta? Vedere noi come Descenti trattiamo i traditori! Gli altri c'è nella resistenza! Rispondetemi, bastardi! O farò incendiare radio al suolo questo paese di... Il posto dégage ces balcons, Scaletta! Derrière les sacs de sable! C'est bon! Allez, allez, il recule! On y va! Avec moi! Merde! Machasse, reste à faire prigionnier pour m'arriver à l'esercito. Caporal, ce type dit que l'armée va rappliquer ici. Je viens dans mieux. Tu vas avec Williams et vous éliminez cette mitrailleuse. Puis vous retrouvez les prisonniers. On va avoir besoin de tous les hommes disponibles. Amadoué!
Impossible de passer par là. Bon, on dirait qu'on a retrouvé la mitrailleuse. Attention! Si t'as une grenade, Kaneda, c'est le moment où jamais t'utiliser. Lance une grenade par cette fenêtre. Wow! Merde! Ça va, Scaletta? Toujours en un seul morceau? Ouais, moi je crois. Bon bah alors lève tes fesses et on y va. Fais le plein de munitions. Après on pourra plus se ravitailler. Regarde-moi ça. Escalier, vite! Oh, hey, prenez ça, sale ritage! On s'amuse bien ici. Quand ça se tient, donc on l'ouvre. Un soupçon pour le produit. Il doit y avoir des prisonniers en haut. Nettoyez le premier étage. Scaletta, t'es en pointe. Uccidete gli ostaggi! Non ce la potete fare! C'est bon! La porte! Enfonce la porte! Arrenditi! O gli faccio saltare! Crois qu'on va devoir passer par là! Allez, viens! Hé! Hey, t'es passé, ça va pas! Oh merde! Mais d'où ils sortent tous ces cons? On s'en fout, on est les tirés! Mais d'après toi, qu'est-ce que c'est, le con? Allez, on rejoint, on tire plus! Ça va, c'est probable! Merde, il va pas tenir longtemps ce balcon. Allez, faut rentrer, vite. Non, merde. Tirez-vous. On va foirer. Rentre là-dedans, Scaletta, ou on va tous y rester. Arrivano, avete fascisti! Montano, non pozzi! Ammazziamo le tonte! Allez, vite, mets-toi à la mitrailleuse. Amico, di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un'offerta da fare! Ma è davvero Don Calò? Cacetto, un congeco hanno samaritato mi cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noiazzi del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, le chef de la mafia siciliana. Une garnison tout entière s'est rendue ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il l'a demandé.
J'ai eu moins de chance en 45 quand un boche m'a eu à la jambe. Là, j'ai sacrément dégusté. Quand je suis sorti de l'hosto, j'ai eu une permission d'un mois et j'ai pu rentrer chez moi. Enfin, temporairement. Vito, ici! Hé, hey, Vito! Joe! Hé! Hey, mais c'est mon pote, ça! Comment t'as su? J'ai mes sources. Allez, viens, je te ramène. Chouette caisse. Il faut ça pour le boulot. T'as sûrement envie de rentrer, mais avant, laisse-moi t'offrir une bière. Ça marche. Et voilà, on y est. Empire Bay. Ça t'a manqué? Ton avis, gros malin. J'ai pas que des bons souvenirs ici, mais je préfère ça à ma tente de soldat. D'ailleurs, c'est quoi ce temps merdique? D'après les journaux, c'est l'hiver le plus froid qu'on ait jamais connu, et c'est parti pour durer. Mais bon, on va aller se réchauffer le gosier. Ça remonte à quand, le dernier verre qu'on a bu ensemble? Il y a 2 ans? Presque 3. La soirée de Tony Sacchelli, non? Ah, c'était juste après l'enterrement de ton vieux, Vito. Avant que tu partes en Europe. Tu peux pas avoir oublié ça! Putain, 5 minutes que je suis là et on cause déjà de mon vieux. On peut changer de sujet, s'il te plaît? Alors, raconte. T'en as chié ou c'était la fête en Europe? Et il a fallu que je me tape le journal pour me tenir au courant. Pourtant, tu sais, moi, le journal... Ouais, je sais. Vous avez botté le cul de Mussolini, c'est ça? Ouais, en quelque sorte. On a été un peu aidé par un type, Don Callo. Ah ouais, Don Callo. J'en ai entendu parler. Ah bon? Ouais, ouais. J'ai rencontré des gars comme lui ici. Des affranchis. Tu bosses pour eux, t'es bon. Tu les emmerdes, t'es mort. T'as pas perdu ton temps? Non. Et toi, il paraît qu'on t'a filé une médaille? Le vieux patonne en personne. Alors, t'es un vrai héros de guerre, hein? Allez, t'as niqué 2-3 Siciliennes et ils ont préféré te renvoyer chez toi. T'as deviné. Ah, la vieille Europe. Ici, tu peux niquer à couilles rabattues. Personne n'en a rien à foutre. Quel pays! Allez, aux États-Unis d'Amérique et à nos retrouvailles. Salut. Salute, Centani. T'es rentré vite, dis donc. T'en lâché pour bonne conduite ou quoi? Oh, j'ai été blessé il y a 2 mois. J'ai fait pas mal d'hôpital et donc ils m'ont donné une permission. Attends. Ça veut dire qu'il faut que tu repartes? Ouais, tu crois quoi? La guerre est pas finie. Mais tu veux pas repartir, si? Non, bien sûr, mais j'ai pas le choix. Attends-moi. Tu bouges pas de là. Ouais, Giuseppe, c'est Joe. Dis-moi, ce que t'as fait pour moi la semaine dernière? Il s'appelle Vito Scaletta. Merci, Giuseppe. D'accord, je passe plus tard. Bon, écoute-moi bien. On dirait que ta blessure est plus grave qu'on pourrait le croire, et donc, d'après les docteurs, tu pourras pas repartir. Quoi? Oh non, non, tu viens de... Je te l'ai dit, j'ai le bras long. Tu recevras les papelards officiels aujourd'hui. Quand on sait où s'adresser, c'est facile. C'est juste une question de blé. Tu me fais marcher, hein? T'es sûr de ta combine? Ça pourrait me renvoyer en tôle, tu sais? Et puis je vais payer avec quoi? C'est réglé, t'inquiète. Disons que c'est mon cadeau de bienvenue. Et t'en fais pas, les papiers seront impeccables. Crois-moi. Bon, bah, merci. Ça me fait plaisir. Comme un frate, t'es un peu comme mon frère. Tu vas pouvoir te mettre à penser à ce que tu veux faire maintenant. Avant tout, je rentre chez moi. D'accord, je te dépose? Non, merci, je vais marcher un peu, voir ce qui a changé depuis que je suis parti. Comme tu veux. Salut bien ta sœur pour moi. On se retrouve après. On a plein de choses à se dire. Dire que grâce à toi, je suis démobilisé. Merci, Joe. Je t'en prie. Bon, on se voit demain. On y est. Tenez, gardez la monnaie. Alors, les nouvelles sont bonnes? Comment ça va, le bidas? Vito? Et quoi, Marie? Juste une! Ouais, on vient tout de suite. C'est hors de question, je bouge pas d'ici, vous m'entendez? Mais c'est juste une bière! J'espère que c'est les nôtres. Bien sûr que c'est les nôtres. Ouais, c'est ça.
Bonjour, maman. C'est moi. Vito. Vito, mon fils. Tu es rentré. J'ai eu si peur de ne jamais te revoir. Francesca et moi, on t'a attendu. Vito. Salut, petite sœur. Attends. Ça va? Tu es assieds-toi, à la assieds-toi. Maison. Tu dois être mort de faim. Francesca a préparé un repas exprès pour toi. Zuppa di pollo. C'est bon pour toi. Ça sent bon, Franny. Ton papa aurait été si heureux de te voir avec nous. Il aurait été fier de toi, Vito. Ouais, sûrement. Vito, le bénédicité. Pardon, mamma, pardon. Benedici, signore, questo cibo che per la tua bontà stiamo per prendere. Provvedine anche a coloro che non ne hanno per Cristo nostro Signore. Amen. Tu dois être épuisé, Vito. Regarde, j'ai fait ton lit. Bonne nuit à toutes les deux. Dors bien, mio bambino. Pas question de m'installer ici. Il faut que je me trouve un truc. Tu dois y retourner bientôt. En fait, je crois que... j'y retourne pas. Joe a fait tout ce qu'il faut. Joe ! Tu vas encore te remettre dans les ennuis. Mama, tu préfères que je reparte me faire tirer dessus ? Non. Tu vois ? Non. Joe m'a sans doute sauvé la vie. Jure-moi que tu ne vas pas encore te mettre dans les ennuis avec ce Joe. Tu sais, ton papa a travaillé pour ce monsieur sur les quais. Papa Lardo. Il est au syndicat. Va le voir et travaille dur comme ton papa. Va le voir, je t'en prie. Promets-moi que tu iras lui parler. Ok, mamma, ok, c'est promis. Grazie a Dio. On n'est rien je à suis foutre. Désolée. C'est pas mon on problème. Va trouver vous devez tout c'est vendre. Promis. Qu'est-ce qui se passe ici? Vito! Mêle-toi de tes affaires, abruti. Ah ouais? M'oblige pas de planquer une correction, petit. Alors, tu joues au dur devant les femmes, hein? Allez, fais-moi peur. Vito, s'il te plaît. J'aggrave les choses. Arrêtez, s'il vous plaît, ne vous battez pas pour ça. Non.
Je t'en prie, Vito, ne t'en mêle pas. Ah. Oh. Ah. Tu vas avoir des ennuis, Vito. Oh. Oh. Ah, et puis merde. Ouais, c'est ça, fous le camp, et vite. Vous allez le regretter. Ouais, tous les deux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolée, Vito. On ne voulait pas t'embêter avec ça. M'embêter avec quoi? Raconte-moi ce qui se passe, Franny. Juste avant sa mort, papa a emprunté de l'argent, une grosse somme chez un usurier. Il comptait trouver un meilleur travail pour rembourser. On l'a appris juste après ton départ pour la guerre. Combien? 2 000 $. Quoi? Merde. Le pire, c'est que ce type veut toute la somme avant la fin de la semaine. Sinon, il rajoutera les intérêts. Je vais jamais pouvoir gagner ça en bossant sur les quais. C'est qui, ce gars? Je sais pas. Mama veut pas le dire. Mais c'est rien, Vito. On va trouver un moyen. T'en fais pas. Je vais m'en occuper. Ça va aller. Merci, Vito. Fais bien attention à toi. Il me faut 2 000 $ et vite. Joe pourra peut-être m'aider. Ça y est, c'est réparé. Arrête un peu, ça se fait pas en 10 secondes. Ça va, pas la peine de t'en prendre à moi. Qu'est-ce que t'as encore à te plaindre? Ça te prend des heures et je me gèle en plus. Alors va t'asseoir dans la voiture. Il fait froid dans la voiture aussi. Dépêche-toi un peu plutôt. Ça irait beaucoup plus vite si t'arrêtais de m'asticoter et que tu m'aidais un peu. Et allez donc, je t'asticote pas. Ah ouais. Bah si t'étais aussi forte avec une clé anglaise que pour sortir des vacheries, la voiture serait déjà réparée. Ah d'accord. Bah toi, si t'étais pas un incapable aussi. Pas étonnant que l'armée n'ait pas voulu de toi. Ah, fallait que tu remettes ça sur le tapis, hein? Franck, le mari d'Ethel, il est pilote d'avion. Et Charlie, le mari de Margaret, il est dans les sous-marins. Je te préviens. Et mon mari? Rien. Il est réformé P4. Il travaille dans une épicerie. Oh, tu sais quoi? T'as qu'à la réparer toute seule, connasse! Besoin d'aide? Ah, c'est pas drôle. J'espère que vous êtes plus doué que mon bon à rien de mari. Voilà, c'est réparé. Il suffisait de resserrer le travis, rien de bien méchant. Ah oui? Eh bien, merci. Merci beaucoup. De rien, ouais. Pardon, madame. Vous savez où c'est chez Joe Barbaro? Barbaro, c'est au premier, à droite de l'escalier. Et dites-lui que je ne veux plus de bazar comme la nuit dernière, sinon il peut se chercher un autre appartement.
Oh. Je tombe mal? Non, pas du tout. Entre, il faut qu'on parle. Oh! On aura tout vu, vraiment. J'ai ramassé ses sourires en revenant du bar. On t'attendait. C'est bon, ça suffit. Allez, ouste les filles, j'ai du boulot. Repassez demain, ok? On reprendra où on s'est arrêté. Allez, dehors. Ben quoi, Joey? Pourquoi on s'arrête? Plus on est de fous, plus on rit. Non, pas cette fois, chérie. Je vais te dire. Moi et Vito, ça fait un sacré bail qu'on s'est pas vu. On a plein de trucs à se raconter. Les choses roulent pour toi, mon Joey. Pas mal. Moi, je te le dis, la petite Chicano, c'est une sacrée salope. Alors, ça a été chez toi? Bien. Ma mère était pas ravie quand j'ai parlé de toi. Tu la connais, elle veut que je trouve un boulot honnête. Et tu comptes chercher où? Je sais pas, mais jamais je ferai la même connerie que mon paternel. Je dois rembourser ses dettes, puis me remettre en selle, trouver un appart. Faut que je me fasse un gros paquet de blé, c'est pas à l'usine que je vais y arriver. Eh, hey, tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. On va te trouver un boulot qui rapporte sans te bousiller la santé, d'accord? Je dis pas non, ouais. Pour l'heure, je touche les 20 dollars que l'État me verse toutes les semaines. Je connais des tas de gens qui payent bien pour des boulots risqués. Je vais bien dénicher un truc pour mon meilleur pote. Bosser à la chaîne, c'est bon pour les tocards. Tu l'as dit. Bon, pour commencer, on va passer chez Giuseppe. Comme ça, on récupérera ton certificat de démobilisation. Allez. Wouah! Ça, c'est un plumard. Hé, là, je sais pas comment ça se passe à l'armée, mais ici, on dort pas dans le pieu d'un autre mec. Pigé? Non, mais tu rigoles. Après avoir vu les deux poules qui viennent de se barrer, il est pas question que j'y touche. Donc c'est ici que je dors. Ouais, c'est ton pieu. C'est comme chez toi, il y a l'eau chaude. Alors, t'as pensé à ce que tu veux faire maintenant? T'avais parlé de me présenter à ce Giuseppe, je crois. Non, je parlais de ce que tu veux faire dans la vie. Quand t'étais là-bas, partez, t'as jamais imaginé monsieur. Ce que tu ferais en rentrant? Pas vraiment. Enfin, si, le truc classique. Me trouver une gentille nana, m'installer. Oh, t'auras tout le temps pour ces conneries plus tard. Pour le moment, faut qu'on te redonne goût à la vie. Au fait, merci encore pour le certificat de démobilisation. Tu parles, j'ai juste passé un coup de fil. C'est Giuseppe qu'il faudrait remercier quand on ira le chercher. Dis, tu me laisserais pas... Quoi? Conduire, Vito? Les rues sont verglacées et t'as jamais conduit une caisse? Joe, quand j'étais là-bas, mon job c'était de conduire. Ouais, mais c'est pas un char d'assaut, Vito. Ce petit bijou m'a coûté un bras. Je conduisais une Jeep, pas un char. C'est quoi une Jeep? C'est du... Laisse tomber. Tu me laisses conduire ou pas? D'accord. Prends les clés. Mais tu fais gaffe, hein? Bon, quand il fait froid comme aujourd'hui, t'appuies un peu plus que d'habitude sur l'accélérateur. C'est la pédale de droite. Je sais, Joe. Ok, tourne à droite, là. Puis tout droit pendant un moment. Hé, Vito, tu sais quelle heure il est? Non, pourquoi tu me dis ça? C'est l'heure que tu te chopes une caisse. Ah ça, ça me plairait si j'avais les moyens. Qui t'a dit qu'il fallait la payer? Hé, oh, lève un peu le pied, hein. Tu vas finir par nous faire arrêter.
Ouais, tu plaisantais pas, ils t'ont vraiment appris à conduire là-bas. Au moins, ça t'aura servi à quelque chose. Oh, regarde-moi cette beauté. Oh là là, une Jefferson 42. Une caisse aussi chouette. Ce serait du gâchis de casser une vitre. Va chercher des rossignols chez Giuseppe. Bienvenue au bazar de Giuseppe, le paradis de la cambriole. Il vend tout le nécessaire. Il fait aussi les faux permis de port d'armes et les certificats de démobilisation pour ceux qu'on en marre de l'armée. Hey, Giuseppe. Salut. Je t'amène un nouveau client. C'est un gars sûr, hein? Ouais, monsieur. Sûr de sûr. Voici Vito, mon plus vieux pote. Voilà Giuseppe, l'as de la cambriole d'Empire c'est Bay. C'est fini, tout ça. Comment vas-tu? C'est pour toi, les papiers? Exactement. Me dis pas qu'ils sont déjà prêts. J'en ai sacrément bavé, mais c'est fini. Bah, merci. Tu garantis que ça va marcher? L'armée viendra plus jamais te chercher d'époux, crois-moi. Alors, c'est pas le meilleur? Voilà le pognon. Prends tes papiers, Vito. Il nous faut aussi des rossignols. Ouais, c'est vrai. Et c'est toi qui les payes. Grazie. Et c'est ça tout de suite. Tiens, sur cette serrure. Enfonce la tige dans la serrure et relève toutes les goupilles. Alors là, avec la pince, tu les retiens l'une après l'autre. Quand elles sont toutes en place, tu tournes la pince et la serrure s'ouvre. À bientôt, Giuseppe. Facile, hein? T'inquiète, c'est un coup à prendre. Je le fais chaque fois que j'oublie mes clés dans la bagnole. Ok. T'as toujours envie de piquer cette caisse? Si j'ai envie, évidemment. Bon, alors à toi de jouer. On a peut-être un vol de véhicule. Accélère! Bien compris. Flagrant délit de vol de véhicule, poursuivons. La vache, on l'a échappé belle. Ouais, bah c'est pas encore fini. Sommelez, vite! On signale une attaque contre un policier. C'est bon, je crois qu'on les a semés. Alors, la caisse, elle te plaît? Pas mal. Je crois que je vais la garder. Viens, faut qu'on se trouve un atelier de carrosserie. C'est eux qui vont nous aider. Eh, ça va coûter cher, cette affaire. T'inquiète pas, j'ai tout prévu. N'importe quel atelier fera l'affaire, je connais le proprio. Ici, garde-toi devant le portail du garage. Bon, maintenant, klaxonne. Descendez de la voiture. Regardez la route! Bougez pas!
À bientôt, Giuseppe. Facile, hein? T'inquiète, c'est un coup à prendre. Je le fais chaque fois que j'oublie mes clés dans la bagnole. À bientôt, Vito. Ok. T'as toujours envie de piquer cette caisse? Si j'ai envie, évidemment. Bon, alors à toi de jouer. Possible vol de voiture. Accélère! Merci. La vache, on l'a échappé belle. Ah, et bah c'est pas encore fini. Sam-les, vite! Bien reçu. C'est bon. Je crois qu'on les a semés. Alors, la caisse, elle te plaît? Pas mal. Je crois que je vais la garder. Bien. On se trouve un atelier de carrosserie. C'est eux qui vont nous aider. Eh, ça va coûter cher, cette affaire. T'inquiète pas, j'ai tout prévu. N'importe quel atelier... On a un officier qui est touché! Flinguez-moi, ce connard! Bien reçu. Le suspect fait environ 1m80, corpulence moyenne. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Hé, hey, vous cherchez de nouvelles jantes? Vous avez le choix. Une nouvelle plaque? Pour vous, pas de problème. Merci beaucoup. Bon, maintenant il faut que t'ailles te présenter à Mike Broski. Il aura sans doute du boulot pour toi. D'accord, et il crèche où? Il a une casse auto à Riverside, tu peux pas la rater. Comment il s'appelait ce gosse? Quel gosse? Le gars de l'atelier. Ah, Tommy, c'est le neveu de Charlie, un putain de bon danseur. Il y a 2 semaines, on a fait une virée à la vieille boîte à Oyster Bay. Il a rendu toutes les nanas dingues. Tu serais pas un peu jaloux? Tu rigoles? J'ai pas besoin de frimer sur la piste. Mon truc à moi, c'est le charme. Je vais te donner 2-3 phrases types pour te lever une poulette. Sinon, tu vas passer toutes tes nuits avec la veuve poignée. Mais, c'est un miroir dans ta poche? Ça te dirait que je prenne sa place? Toi, tu me mets en émoi. Toi et moi. Tu vois, ça te dit? Oh, arrête! Hé,
Hey, ça te dit de venir jouer au docteur? Je te ferai une grosse piqûre qui fait pas mal. Et pour toi, ça marche, ça? Tu connais la différence entre le sexe et la conversation? Ben, viens chez moi, j'ai très envie de te causer. T'es un grand malade. Hé, hey, beauté, super tes fringues. Ça va en jeter demain matin quand on va les retrouver roulées en boule au pied de mon lit. Oh, c'est minable. Fous-toi de ma gueule si tu veux. Seulement figure-toi que ça marche plutôt pas mal, ce genre de truc. Ok, tourne à droite, là. Bien, on y est presque. Prends à droite. La case de Mike est juste là. Tiens, entre par ce portail. Hey, Mikey, alors, ça roule? Putain, Mike, merde, lave-toi les mains de temps en temps, va falloir que je prenne un bain. Hey, je bosse, moi, et quand tu bosses, tu te salis, tu vois? Et puis, je viens juste de les essuyer. Avec quoi? Le putain de torchon qui te sert à récurer tes shots? Non mais tu te fous de ma gueule? Eh, ça va, merde, tu bosses pour les services d'hygiène ou t'es là pour causer business? Le business, bien sûr. Je te présente mon pote Vito. Vito, c'est Mike Bruschi. Lui sert pas la pince, ça coûte beaucoup trop cher, en savon. Très heureux, Vito. Vito et moi, ça fait un bail qu'on se connaît. Il rentre d'Europe et il a besoin de fraîche. Alors, j'ai pensé à ton problème de fournisseur. T'en fais pas, il est net. Ok. Alors, Joe, t'as causé de ma diversification. Ouais. Bon, moi, je fais dans la caisse lambda, rien d'exotique. T'as ta part sur chaque caisse. Bon, je suis limité, question place. Et ramène pas les flics ici, ok? Si jamais ils se pointent, j'ai jamais entendu parler de toi, pigé? Pigé. Putain de merde, Mike! T'as foutu tes sales pattes sur mon manteau! Il m'a coûté une fortune, ce truc! Arrête un peu avec mes pattes ou je te les fourre dans le cul! Tu sais ce que ça coûte, le pressing, du con? En plus, je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir attraper ça. T'as fini de chialer? Vito, je t'explique. Il me faut un coupé Walter aujourd'hui. J'ai des acheteurs pour des pièces détachées, mais j'ai pas la caisse. C'est parce que tu sais pas chercher. Chaque fois que je traverse Hunters, j'en vois une garée devant un bar. Et je crois que l'orade s'appelle le Lone Star. Ouais, mais c'est dans un quartier noir. On va me repérer tout de suite. Bon, écoute, je t'en donne 350 billets. Ça compense les risques. 400. D'accord, ça marche. Allez, Vito, viens, on est parti, hein, diable. Et toi, je t'enverrai la note du pressing pour mon manteau. Et moi, je vais changer d'adresse, sale radin. Ok, alors, considère ça comme une période d'essai. Je serai toi, je m'appliquerai, d'accord? Tiens, Vito, prends ça. Hé, hey, joli! Juste au cas où. Mike, ça te dérange pas que j'essaie ce truc ici? Oh, vas-y, amuse-toi. Fais-toi plaisir, tire sur la vieille épave là-bas. J'avais dû oublier de l'essence. Ça me rappelle une blague sur les Polacks, mais passons. Ouais, ça me rappelle que je t'emmerde. Allez, assez tiré comme ça. On a du pain sur la planche. Sors d'ici par le même chemin qu'à l'aller, puis prends la route principale vers l'ouest. Surtout, retourne pas en ville. Prends à droite, juste là.
Alors, content d'être rentré ? Ouais, mais avec un peu de fric, je serais encore plus content. Oh, tout de suite, l'argent. L'argent fait pas le bonheur, tu sais. Arrête tes conneries. Ouais, je déconne. Mais t'en fais pas trop pour la thune. Ce petit boulot, c'est juste un début. Bientôt, tu crouleras sous les pistons. Alors, Sand Island, c'est toujours aussi merdique qu'avant ? Non, non, c'est plutôt chouette, maintenant. Arrête. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un magicien qui s'est pointé avec sa baguette. Évidemment que c'est toujours merdique là-bas, Vito. T'es parti quoi, 2-3 ans ? Il en faudrait beaucoup plus pour que ce quartier de merde puisse changer. Ces gens-là, ils se reproduisent comme des lapins. Y a rien à faire. Non, je dirais que c'est pire que quand on était gosse. Ils ont même un gang là-bas. Ils s'appellent... les tombeurs, les boomers... enfin, je sais plus trop, quoi. Je m'en rappelle plus. Ah, manquait plus que ça. Eh, tu vas pas t'inquiéter pour eux, c'est des animaux. Leur vie, c'est vendre de la cam et s'entretuer. Ils feront pas chier un mec comme toi. Et puis, au cas où, je t'ai filé un flingue. Pas vrai ? C'est vrai, ça. Tu portes une arme, maintenant. C'est pour quoi faire ? On peut plus faire des affaires sans de nos jours. Surtout dans ce putain de quartier. Toi, t'as toujours su trouver les mots justes, hein ? Tourne à gauche, là. Putain, j'avais oublié comment il était beau, ce quartier. Tu sais quoi ? Un jour, je m'achèterai une baraque dans le coin. T'es pas croyable, toi. T'es à peine rentré et monsieur se trouve trop bien pour son vieux quartier. Pourquoi tu viens me faire chier ? Ça coûte rien de rêver. On pourrait pas m'offrir une maison ici avant des années, de toute façon. T'aimes le champagne, mais tu peux te payer que de la bière, c'est ça ? T'inquiète, avec moi, tu vas pas rester pauvre longtemps. La caisse couleur crème, là-bas. Fais gaffe. Tu fais fissa et tu t'arraches en vitesse. Et casse une vitre s'il le faut et fonce. Moi, je t'attends chez Mike. Et si jamais j'ai un problème ? Eh ben, tu te débrouilles. Écoute, c'est un genre de test. Si tu rates, je crois qu'ils embauchent à l'usine. Bon, j'ai pigé. Bonne chance. On se rejoint chez Mike. Fils de pute! Oh merde! L'enfoiré ! Thank you.
It's Empire Central Radio, ECNR. Mission accomplie, pas de problème ? Non, aucun. À part que la bagnole appartenait à une bande de noirs qui était bien décidée à me faire la peau. Ça, c'est sûrement les Bombers. Hunters, c'est chez eux. Mais t'as rien à craindre de ces mecs. C'est un ramassis de frameurs. Qui causent, qui volent et qui fument de la dope. Voyons ce que ça donne. Ah, joli, comme neuf, propre. Ces minables ont pas les moyens. Pour une caisse comme ça, ils ont dû la voler. C'est une sacrée caisse. Combien je t'avais promis pour ce petit boulot ? 600. Oh, il me plaît, ton pote Joe. Là, t'es $400. Reviens me voir, ok ? J'aurai du boulot pour Compte toi. Compte sur moi, Mike. À plus tard, Mike. On passe te voir d'ici peu. Ok, les gars. À la prochaine. Voilà les 300 billets. J'ai pris ma commission cette fois. Dorénavant, t'auras plus besoin de moi. D'accord. Merci, Joe. Allez, on rentre. Je suis crevé, moi. On va prendre la voie rapide, Vito. Franchement, tu t'es bien démerdé avec ce boulot. Bien joué. Ils ont failli me buter, ouais. Et j'ai pas survécu à la guerre pour revenir crever sur Sand Island. Qu'est-ce que tu veux ? Ça fait partie du boulot. À prendre ou à laisser. Mais bon, comme tu sais rien faire d'autre... Ouais, t'as pas tort. T'en fais pas, mon pote. Tout va très bien se passer. Raconte, d'où il sort ce Bruski ? Mike, c'est un gars important, c'est un râleur, mais il est toujours sur la brèche. Surtout dans les voitures volées. Il a fait un peu de tôle, mais ça remonte à loin. Il paraît qu'il braquait des stations-service. Tu comptes vraiment lui faire payer le nettoyage de ton manteau ? Non, oublie ça. Je fais pas mal d'affaires avec ce gars. Et puis, il faut pas le foutre en rogne. Une fois, j'étais aux courses avec lui, et un Irlandais a renversé une bière sur son ticket gagnant. Mike l'a tellement cogné qu'il a perdu un œil. Tout ça pour $10. Il m'a l'air d'un sacré connard. Avec ces gars-là, faut savoir se faire respecter. Et Mike, c'est un gentil comparé à d'autres types que j'ai rencontrés quand j'étais là-bas. Tu verras. Y a un endroit sûr où on peut se garer dans le coin ? Je veux pas laisser ma caisse dans la rue. Ouais, t'as qu'à garer ta caisse près de la mienne, dans le parking. Les rues sont pleines de voleurs de nos jours. Ouais, ce quartier, c'est plus que c'était, c'est ça ?
t'as la dalle, y a de quoi bouffer dans le réfrigérateur. T'as faim, Vito ? Prends tout ce que tu veux dans le frigo. Lupanar Barbaro, Vito à l'appareil. Vito, pourquoi tu n'es pas rentré à la maison hier? J'étais morte d'inquiétude. Ma main? Je savais pas que t'avais le numéro de Joe. Et d'où tu téléphones? Alors, tu as parlé à ce monsieur Papalardo? Tu as trouvé du travail? Ouais, il m'a dit de passer le voir dans la journée. J'espère qu'il aura du travail pour moi. Bien, bien, Vito. Au revoir, mio bambino. Au revoir, maman.